Fermez les yeux et revenez à l'intérieur. Prenez conscience de votre état d'esprit. Pas seulement au niveau mental, pas seulement ce que vous racontez. Et prenez conscience de la partie de vous qui reçoit les mots, qui entend les mots dans votre tête. Et la partie de vous qui répond à ces mots. Il y a une partie de nous qui observe ce qui se passe, une partie qui normalement est inconsciente et qui en ce moment est en train de devenir présente, en train d'être révélée. Ce qui fortifie la conscience permet au chi, à la vitalité de pénétrer profondément à l'intérieur de la conscience, rendant le chi de la conscience abondant et de faire circuler librement. Tout le chi de la conscience, ce qui améliore toutes ses fonctions. La conscience devient plus claire, plus simple et détendu. Et la conscience petit à petit se vide. Se détend de plus en plus, se relâche. Et progressivement, nous allons au-delà des mots, au-delà du discours mental. Et nous sommes de plus en plus présents, de plus en plus conscients que nous sommes présents. Nous sommes là. Quelque chose de très simple, de très basique. C'est quelque chose qui, au niveau de la conscience, est assez élémentaire. Revenir à cette simplicité, à quelque chose de relaxant. Nous sommes comme les bébés. Simplement, nous sommes là. Nous sommes conscients. Et il n'y a rien à rechercher ou à attraper, rien à quoi s'accrocher pour être là. Il n'y a rien à faire pour se sentir conscient, présent. Si les mots parlent, alors nous sommes conscients des mots. Si des émotions se génèrent,
nous sommes conscients des émotions. Mais il n'y a rien à en faire. Il n'y a pas de finalité, il n'y a pas d'après. Il n'y a rien à dépasser pour arriver quelque part. Ce n'est pas en poussant vers le moment suivant ou vers quelque chose qui serait hors de portée que l'on va arriver quelque part, que l'on va améliorer sa situation présente. Au lieu d'aller chercher quelque chose qui est tourné vers les pensées, vers les émotions, vers les sensations ou vers l'extérieur, nous revenons vers l'intérieur. Nous nous retournons vers ce qui en nous perçoit, vers ce qui en nous observe, vers ce qui en nous entend. Et là encore, il n'y a rien à trouver puisque c'est toujours là. Nous entendons les mots, les pensées, nous ressentons les émotions, les sensations. C'est simplement revenir à une dimension très très simple, très évidente, tellement évidente que la plupart du temps, on n'y prête pas attention. C'est quelque chose d'élémentaire. Tout ce que nous recevons, nous en sommes conscients. Tout ce que nous observons, nous en sommes conscients. Il y a des choses dont nous sommes plus ou moins conscients, mais ce n'est pas le propos. C'est juste de voir que ce que nous observons activement, eh bien, nous en sommes conscients. Ce que nous écoutons activement, nous en sommes conscients. Ce que nous ressentons activement, nous en sommes conscients. Normalement, notre conscience est dispersée entre nos différents organes des sens, nos pensées, nos émotions. Une sorte de confusion et de maladresse règne d'habitude. Mais en revenant à la partie de nous qui observe et qui reçoit toutes ces informations, une cohésion apparaît. Un lieu commun où tout se rencontre dans la conscience. Et la conscience, le chi et la vitalité pénètrent de plus en plus profondément à l'intérieur de la conscience. Le chi de la conscience est de plus en plus abondant, circule de mieux en mieux. Les blocages de la conscience se débloquent de plus en plus. Tout se remet en mouvement, tout se remet en circulation progressivement. Nous sommes en train d'entraîner la conscience à s'éveiller. Cela peut créer des sensations inhabituelles parce que la conscience en s'éveillant, en commençant de s'éveiller, eh bien, ouvre des espaces à l'intérieur qui n'ont pas été ouverts depuis longtemps. Bien que nous soyons nés conscients, entièrement et 100% conscients et présents, un beau fœtus, un beau bébé, un bel enfant, 100% présent, 100% conscient, 100% pur, innocent, complètement donné au monde, ouvert sur le monde, avec un cœur grand ouvert, un esprit grand ouvert, spontané, simple et aimant.
Nous sommes ça. Et nous l'avons toujours été. C'est juste que nous avons donné plus d'importance à d'autres informations par la suite dans notre vie. Quand on change l'importance qu'on donne aux informations, on change notre vie. Si on donne de l'importance à la joie, on est joyeux. Si on donne de l'importance au malheur, on est malheureux. Ça ne dépend pas du monde extérieur uniquement. Bien sûr, le monde extérieur nous influence, mais principalement, ça dépend des informations que l'on trouve importantes dans notre vie. C'est ce qui fait toute la différence entre les millions, les milliards de personnes qui existent. Nous donnons de l'importance à des choses différentes. Ça donne des vies différentes, des façons de penser et d'être très différentes. Mais au-delà de toutes les idées, cet enfant, ce bébé 100% présent, 100% spontané, ouvert, aimant, lui est toujours resté présent, toujours resté spontané et ouvert, profondément là, profondément conscient de tout ce qui se passe. Et bien souvent à se demander comment gérer ce grand adulte qui croit des choses compliquées. Et les mots nous racontent une histoire auquel on peut adhérer ou pas. Cela génère des émotions ou pas. Mais dans le fond, nous sommes conscients des mots et des émotions. Et nous revenons à cette partie simple, évidente, spontanée de nous-mêmes, qui juste sait, qui juste observe, qui juste connaît ce qui se passe à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est une fonction que tous les animaux ont. Tous sont 100% présents, 100% eux-mêmes dans le moment. Ils sont fatigués, ils s'allongent, ils dorment. Ils ont faim, ils mangent. Ils sont contents, ils s'excitent, ils sourient, ils sont heureux. Ils sont en colère, ils montent les dents. 100% présents, spontanés et ouverts. Sans calcul ni réflexion. Sans après, sans avant. En tant qu'animal, nous avons ça aussi, cette qualité fondamentale. Mais nous, en plus, nous pouvons en être conscients. Et alors, cela fait de nous des humains. Des humains qui peuvent se demander, mais comment revenir à l'instant présent, là où toutes les formes de vie sur Terre, qui ne sont pas humaines, vivent entièrement l'instant présent tout le temps. Nous pouvons nous extraire, penser que l'on perd contact avec l'instant présent. C'est ce qui fait de nous des humains. Nous avons une grande capacité créatrice. Cette capacité, maintenant, nous l'utilisons pour observer notre conscience, pour observer la partie de nous qui reçoit toutes les informations. Avec une conscience plus puissante, plus stable, plus aimante, plus ouverte et heureuse, alors nous pourrons gérer notre vie à partir de sa racine, à partir de l'aspect créateur de nous. Et pas seulement nous débattre avec nos idées et nos émotions.
tout se détend et s'approfondit de plus en plus, tout s'ouvre de plus en plus. Tout se relâche très profondément. Avec un léger sourire, nous connectons avec toute la communauté de conscience dans le monde entier. Avec tous les êtres qui, consciemment, œuvrent en même temps que nous. Notre champ d'information connecte avec leur champ d'information. Le professeur Wei, le docteur Pang, tout Zen et Qigong, et toutes les spiritualités, tous les maîtres et tous les disciples, tous les pratiquants, depuis la nuit des temps jusque dans la fin des temps. Nous œuvrons tous ensemble. Nous sommes connectés tous ensemble au niveau de l'information. Au niveau de nos cœurs purs qui s'ouvrent. Au niveau de nos esprits purs qui s'ouvrent et se détendent profondément. Nous recevons le soutien de tout le champ de conscience, de tous les êtres d'amour, de sagesse. Les êtres de liberté qui sont libres de l'histoire qui se raconte, libres des mots, des idées et des émotions. Libres d'être vraiment eux-mêmes dans l'instant présent. Dans cet instant, nous apprenons à nous éveiller. Nous apprenons à devenir libres. Nous apprenons à rendre notre conscience puissante, forte, pour pouvoir de tout cœur vivre notre vie. Cette pure conscience, professeur Wei l'appelle Minju, s'ouvre dans tout le champ de conscience et d'amour. Connectons avec tous les êtres cherchent depuis leur cœur la guérison. Tous ceux qui depuis leur cœur ont guéri. Nous sommes ensemble. Rappelez-vous ce que vous voulez vraiment. Notre champ de conscience pure et d'amour s'ouvre sur tous les enfants, tous les bébés, tous les nouveau-nés. Et nous accueillons tous les nouveau-nés dans le champ de conscience et d'amour et tous les parents heureux d'avoir reçu cet enfant. Avec tous les gens que nous aimons. Et tous les gens qui nous aiment.
nous sommes et puis que nous sommes au monde, tous les gens qui nous ont aimés. Nos cœurs lui se souviennent sans que la tête ait besoin d'y réfléchir. Nous connectons spontanément. Ce champ d'amour, ce champ de conscience s'organise autour de ce que vous voulez vraiment. Jusque dans le fond de l'univers, et l'univers s'illumine d'amour et de conscience en éveil. Revient profondément à l'intérieur. La pure conscience illumine tout le corps de Chi. La pure conscience illumine à l'intérieur de la tête. La pure conscience, en restant à l'intérieur de la tête, amène sa très grande harmonie, son grand amour, partout, à toutes les cellules, l'ADN, tous les espaces, à l'intérieur, l'antenne supérieure, tout s'illumine. Se transforme. La vitalité de la pure conscience rayonne, illumine et éveille le tantien supérieur. Fusionne avec l'espace de l'univers. L'intérieur du cou et de la gorge. Tout le champ de conscience et d'amour, très transformateur, très efficace, pénètre continuellement à l'intérieur et particulièrement à l'intérieur du cou et de la gorge. Devient pur espace. Intérieur des épaules, les avant-bras, des hauts des bras. Les coudes. Les avant-bras, les poignets, les mains et des doigts, l'intérieur des bras s'illumine, conscience pure. La conscience observe l'intérieur des bras et l'intérieur des bras est dans la pure conscience, apparaît dans la pure conscience.
bulle devient de plus en plus vide, de plus en plus claire, s'ouvre de plus en plus profondément à l'intérieur des bras, des épaules. S'ouvre totalement à l'intérieur du tantien médian. Pur champ de conscience et d'amour. Observe à l'intérieur ton tien médian. Les omoplates changeant de chi se vident. Poitrine, les seins se changeant de chi, se vide. Les os se changeant de chi, se vide. Le thymus changeant de chi, se vide. Les poumons se changeant de chi, se vide. Souriez au poumon. S'ouvre dans l'univers. S'ouvre. Imaginez l'univers au loin. Les couches sous circule librement. La peau s'ouvre, les muscles, les tendons, les ligaments s'ouvrent. Système nerveux s'ouvre. Les vaisseaux sanguins s'ouvrent. Les os, les articulations s'ouvrent, les moelles s'ouvrent. Toute la colonne vertébrale est retirée vers le haut, le menton monte. L'aérée se relâche et s'ouvre. Weyin fermé vers le haut. Observez la colonne vertébrale. Doucement, laissez la colonne se balancer d'avant en arrière, le pied par erreur. Sentez le changement du poids du corps sur les pieds. C'est léger. Il y a un léger mouvement.
circule de mieux en mieux, se développe de plus en plus. Chi pénètre abondamment tout le corps de Chi, dans toute la conscience. Yin fermé vers le haut, Pairoué ouvert. Observez l'axe central. Tout se vide de plus en plus, devient de plus en plus simple. Silencieux. De plus en plus profond. Le corps de Chi s'harmonise très profondément avec le Chi de l'univers. Tout se calme, tout s'apaise, tout se décontracte, tout se libère, circule très librement. La conscience progressivement s'endort. C'est comme s'endormir. Tout se relâche de plus en plus profondément. La tendresse et la douceur sont abondants. Tout devient plus doux et plus tendre. Se remplit d'amour. Qui nourrit et régénère chaque cellule, chaque espace.
Le corps de Chi s'illumine, se relâche et s'ouvre. Ta conscience s'illumine, se relâche et s'ouvre. Pure conscience, claire, centrée, brillante. Tout est transparent. Pur champ de conscience et d'amour, très homogène, très puissant et efficace, pénètre à l'intérieur de la poitrine, dans le dantien médian, vide, s'illumine dans les poumons. Et sous le cœur, s'illumine et se vit dans le dantien inférieur, s'illumine, les reins, la vessie. Système reproducteur s'illumine, le foie, vésicule biliaire s'illumine, le pancréas s'ouvre et s'illumine, la rate. Rate se remplit de chi, se remplit d'amour. Tout se débloque à l'intérieur, tout est vide. S'illumine. Profondément, la rate s'illumine de l'intérieur, toutes ces cellules, tous ces tissus viennent très bons, plein de chi qui circule très bien, tout se régénère. L'estomac s'illumine, se détend, profondément se relâche, ses cellules, tous ses tissus se relâchent, s'ouvrent. S'illumine et s'ouvre. Vésicule biliaire s'illumine. Les reins s'illuminent. Le pancréas, le foie. Le poumon, le cœur. Les organes internes s'illuminent. La vessie, le système reproducteur. Les
les intestins. Vite, souffle. Pur champ de conscience et d'amour passe au travers des intestins, l'intestin grêle, débloque, ouvre, décontracte, détend tout ce champ gentil et peut s'ouvrir autant que nécessaire. Ce n'est que du chi dans les intestins, rien d'autre, juste du chi et du vide qui s'illumine, se transforme. L'intestin grêle s'illumine, tout circule librement, toutes les fonctions deviennent très bonnes. La perméabilité normale, les fonctions de l'intestin grêle très bonnes. Gros intestin. Changeant de chi, s'illumine et s'ouvre. Ses fonctions s'améliorent, tout se répare, tout devient très très bon. Retrouve sa forme et ses fonctions normales. Normal. S'illumine. S'ouvre jusque dans l'univers. Tout l'univers s'illumine, le grand champ de conscience et d'amour. S'illumine. Avec tous les êtres qui soutiennent ce champ de conscience et d'amour, qui soutiennent notre conscience, notre cœur pur, notre amour. Nos informations connectent et fusionnent ensemble, se transforment ensemble. Tous les êtres qui sont prêts à s'éveiller, qui ont le cœur et l'esprit ouverts, reçoivent nos informations d'amour et d'éveil. Et reçoivent et changent. S'ouvre dans l'univers. Tout le système nerveux, tous les nerfs se changent en chi et s'ouvrent. Tous les vaisseaux sanguins se changent en chi, s'ouvrent. Les muscles, les tendons, les ligaments se changent en chi, s'ouvrent. La peau se change en chi, s'ouvrent. Tout s'ouvre dans le grand champ de conscience et d'amour, fusionne. Re-
Reviens jusque dans les os, sous tes articulations, tous les os, cellules lumineuses se changeant de chi et sous toutes les moelles. Aérer doucement, balancer le corps devant en arrière. Se libère, tout se relâche et s'ouvre. Tout devient très sain, les fonctions très bonnes. Tout le système nerveux, tous les os, les moelles. J'ai eu le témoignage récemment. Personne au Mexique qui disait pratiquer depuis 2 ans avec régularité le Dzogchen Qigong. Elle avait eu un cancer de la poitrine qui était en rémission et tous les 2 ans on devait retourner faire un check-up. Ça faisait 3 ans qu'elle n'y était pas allée. Les années précédentes étaient bonnes. Elle a fait son check-up, toutes ses analyses. Rien de particulier au niveau de la poitrine, tout va bien. Par contre, au niveau des os, le docteur était très étonné en regardant la constitution des os, puisque cette femme de 60 ans avait des os qui avaient une qualité que le docteur attribuait à l'âge de 40 ans. C'était des os d'une personne de 40 ans, pas d'une personne de 60. N'ont-ils regardé les analyses? Dans la pratique régulière, faire de la première méthode, 300 sassans, de la méditation, la qualité de ses os et de ses moelles avait retrouvé 20 ans plus tôt, et peut-être même une qualité qu'elle-même n'avait pas quand elle avait 40 ans, alors que maintenant elle en avait 60. Qui pénètre à l'intérieur de tous les os, toutes les structures osseuses, toutes les moelles, toutes les articulations. Tout devient très fort, puissant, le chi devient très puissant. Tout devient très bon, circule très bien. Les fonctions s'améliorent grandement et fonction endormie s'éveille. Tout se répare, tout change, mais tout n'est que du chi. Le chi des reins devient abondant, circule très bien, les fonctions des reins s'harmonisent. Les articulations, tous les os très bons, peuvent produire de très bons globules rouges, globules blancs, de très bonnes substances pour tout notre sang, pour notre être. Les tensions se relâchent dans toutes les articulations, dans tous les os. Les tensions inutiles disparaissent.
les articulations redeviennent parfaites, parfaitement droites, alignées, harmonieuses. C'est tout le champ de chi, le champ de conscience des os, qui change d'information, qui se réharmonise entièrement. Depuis chaque cellule, tout change et s'harmonise. Chaque ADN change et s'harmonise. À l'intérieur des reins, à l'intérieur de tout le corps de chi, puisque dans tout le champ de chi et d'amour, les os, toutes les articulations sont maintenant très solides et souples, très puissantes, parce que tout le champ de conscience et d'amour en permanence pénètre à l'intérieur jusque dans les moelles et nourrit, transforme, jusque bien après cette séance. Et en permanence durant cette séance. Tout se développe, tous les espaces intervertébraux se vident et se développent. Les vertèbres retrouvent leur place normale, naturelle. Les espaces entre les vertèbres s'ouvrent. Dans les vertèbres thoraciques, se relâche et devient très bon. Des moelles et des os abondants en amour et en conscience nourrissent naturellement tout le système nerveux, tous les organes, tous les tissus, toutes les cellules, tout le sang. Le sang va nourrir toutes les cellules, tout l'ADN, du cerveau, des poumons, du foie, de la vésicule biliaire, pancréas, de l'estomac, de la rate, des reins, des intestins, de la vessie et du système reproducteur des jambes. Tout, partout. Plein d'amour, plein de conscience, plein de pur chi. Ramener les paumes de main sur le nombril. Et ramener l'attention particulièrement sur la partie arrière du tantien. Tout le chi inné devient abondant, nourrit la conscience, nourrit l'amour.
Les plantes de pied se relâchent, fusionnent dans l'univers. Chi pénètre dans les pieds jusque dans le tantien inférieur. Pomme de main s'ouvre dans le chi de l'univers. Par les paumes de main, les poignets pénètrent jusque dans le tantien inférieur. Les épaules vides, les bras vides. Omoplates vides, le tantien médian vide, aéré s'ouvre, la porte du ciel se relâche et s'ouvre, chi pénètre à l'intérieur du tantien supérieur, les yeux, les oreilles, du nez, de la bouche, les gencives, les dents, de la langue, du cou et de la gorge. Du tantien médian, les bras, du tantien inférieur, les jambes. Le champ d'amour et de conscience revient à l'intérieur de la partie arrière du tantien inférieur. Le chi est très abondant. Continuellement, nourrit la conscience, l'amour. Le poumon se relâche, le cœur se relâche, le foie, les vésicules biliaires se relâchent, pancréas, estomac, larynx, les reins, les intestins, la vessie, le système reproducteur, tout se relâche, le chi se rassemble à l'arrière du tantien inférieur, s'harmonie. Nous sommes pleins de chi, puissants, forts, pleins d'amour et de conscience. Nous sommes plus jeunes, plus beaux, plus aimants, à l'intérieur et à l'extérieur. Nous sommes plus forts, plus sensibles. Tout le champ d'amour et de conscience pénètre dans notre foyer. Passe au travers de toutes nos possessions, de toutes les plantes, les animaux, les gens, de notre foyer, de notre quartier, de notre ville, notre canton, notre région, notre pays, tous les pays, pour une grande fraternité humaine, avec le cœur et l'esprit ouvert de tous les gens qui consciemment œuvrent pour la fraternité humaine. Dans tous les espaces et dans tous les temps, à toutes les époques, dans tous les lieux, nos informations se connectent. Connectent avec ce que vous voulez vraiment. Que dans l'univers,
s'illumine, la terre s'illumine, votre foyer, profondément à l'intérieur. Ces bonnes informations s'intègrent et s'harmonisent. Nous sommes avec la communauté de conscience et d'amour. Consciemment, toute l'humanité évolue vers l'amour et la conscience. Préparez les mains doucement et sentez-vous bien partout pour confirmer toutes les bonnes informations de ce moment. Bougez pour vous sentir bien. Tout doucement, explorez votre corps. Pour vous sentir bien partout. Et laissez la sensation de bien-être transformer les parties qui seraient inconfortables. Laissez toutes vos sensations s'harmoniser dans le bien-être.